vous entendre ici dire « Mais qu'est-ce que Naïd fait avec cette bouteille d'eau ?» Non, je ne l'ai pas prise par hasard. Elle est là pour une raison bien particulière. Et je vais vous montrer pourquoi. Cette bouteille d'eau a un poids, on est bien d'accord. Et encore, je n'ai pas pris la grande bouteille d'eau, j'ai pris celle-ci. Mais si je l'attends comme ça, rien ne se passe. Honnêtement, rien ne se passe. Je continue à vous parler et ça le fait à peu près. Mais il va y avoir un moment où cette bouteille d'eau va commencer réellement à me poser problème parce que je vais sentir mes muscles être complètement tétanisés jusqu'au moment où vraiment j'en pourrai plus. Et ça commence déjà à ne pas être agréable. Mais en fait, ça, c'est une très jolie métaphore que j'avais envie de partager avec vous par rapport au stress. On va dire que ça, c'est le stress, les aléas de la vie, d'accord? Les stress, c'est normal qu'on en ait quelque peu tous les jours notre lot. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que de temps en temps, on pose la bouteille pour se reposer? Ou alors, au contraire, on la maintient jusqu'à n'en plus pouvoir, jusqu'à se faire mal, avoir des crampes et peut-être même avoir un claquage ou une déchirure musculaire? Le stress est un parfait ami, est un allié, parce que c'est ce qui nous permet d'avancer dans la vie, de relever les challenges, de se surpasser, à condition de gérer le dosage. Un peu comme une musique. Une musique peut être très agréable à un certain niveau de volume. Trop bas, eh bien on n'entend plus rien, c'est pas agréable. Trop haut, c'est de la cacophonie. Le stress, c'est pareil. Vous allez avoir tous les jours votre lot. À vous de savoir comment faire en sorte pour que libérer tous les jours le stress pour pouvoir garder, on va dire, un contenant qui puisse tenir la route. Pour ça, vous allez me dire, oui, c'est bien beau, c'est sympa ton idée de la bouteille, on a bien compris, mais comment faire? C'est simple, vous avez des ennemis. Le stress est un allié parce que c'est votre booster. Si vraiment vous le laissez trop s'enraciner dans votre vie, ça devient un ennemi parce que ça vient vous tétaniser, vous devenez imbuvable pour vous, pour les autres. Ben, pour le maintenir à un dosage qui tient la route, trois petites astuces. La première, mangez sainement. Parce que si en plus vous avez un taux alcalin dans votre corps, vous anticipez et vous vraiment vous donnez de la latitude à ce stress de venir s'enraciner. La deuxième des choses, faites du sport. Je ne le dirai jamais assez parce que le sport, ça vient vous libérer des endorphines qui viennent bouffer l'adrénaline qui est la responsable du stress. Et la troisième des choses, on oublie de le faire, c'est ce qu'on fait dès qu'on vient sur cette planète et c'est la dernière chose qu'on fait quand on quitte cette planète, c'est... Rien que ça, 5 fois, je peux vous garantir que ça vous change votre vie. 5 fois, 5 longues inspirations par le ventre, ça vous permet de libérer la pression. Vous ne me croyez pas? Super, ne croyez pas un seul mot de ce que je vous dis, mais please, faites-le, faites-le, faites-le. Vous avez le choix entre faire de votre stress un allié ou d'en faire un pire ennemi, la balle est dans votre camp. Tous les mardis, vous le savez, je partage avec vous cette capsule de 3 minutes pour changer de vie avec l'immense intention de pouvoir vous aider à combattre cette croyance universelle qu'il faut des tonnes de temps et de moyens pour changer. Non, le changement peut se faire à travers un mot, une histoire. Une astuce, un partage, et c'est mon désir le plus profond. Aidez-moi vraiment à réaliser mon rêve, je le réalise pour vous, avec vous. Si cette vidéo vous l'avez aimée, partagez-la à un grand nombre et contribuez aussi à ce que tous les deux on construise cette émission. Je ne veux pas la faire toute seule. Si vous avez vous aussi vécu une histoire, lu une histoire, je ne sais pas, quelqu'un a partagé avec vous une histoire, partagez-la avec nous, nom, prénom et envoyez-la sur contact@nahidrached.com. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Nahid Rached, Hedahoua et Lehfkoum.